Mais c'est sûr que tu sais, ça a toute partie avec le sport, beaucoup dans mon enfance. J'ai beaucoup de soccer, beaucoup de ski. Puis après ça, ben, j'ai commencé à faire du football. Puis là, c'est là que toute ma maladie est arrivée. On a découvert mon cancer, puis tout ça. Mais le sport m'a comme ressorti de tout ce qui m'est arrivé aussi après mon cancer. Fait que c'est une physio fantastique, mettons, qui m'a introduit au basket. Il y a le basket m'a amené à étudier aux États-Unis, à voyager à travers le monde, rencontrer beaucoup de gens. Puis après ça, là, je suis revenue au Québec. Puis encore dans le sport, j'ai commencé à faire du ski. Fait que toute ma vie tourne vraiment beaucoup alentour du sport. Puis aussi la musique, parce que la musique m'a comme gardée en vie pendant mon cancer. Fait que je jouais beaucoup, beaucoup de piano en grandissant. Puis ça l'a resté, tu sais, ça a été très présent dans ma vie pendant mon cancer. Puis encore aujourd'hui, je joue encore assez fréquemment, tous les jours. Je pense que c'est d'être résilient, puis d'apprécier qu'est-ce que la vie m'a donné, même si ça a été, t'sais, dur par moments, puis que ça soit retourner à l'école, puis se faire écœurer à l'école, puis aussi dans le basket, dans un milieu d'hommes, quand t'es une femme qui joue au basket. Ben, moi, ça a été mes premiers Olympiques. Je pense que c'est mon moment vraiment que je me souviens encore quand je suis rentrée dans le stade. Je pense que c'était vraiment tout ce qui m'était arrivé. Oui, ça fait partie de moi, mais c'est qu'est-ce que j'en ai pris de tout ce qui m'est arrivé. Puis là, aujourd'hui, je regardais la flamme olympique, t'sais, un rêve de petite fille. Puis c'était comme, t'sais, oui, il m'est arrivé tellement de mauvaises choses, mais c'est à cause que j'ai été capable de tout tourner ça en bien, puis voir le positif là-dedans, d'apprendre tout ça, puis avec ma famille qui était, t'sais, un support inimaginable. Puis là, t'sais, c'est ça, je regardais la flamme olympique, puis c'était comme, ben wow, t'sais, j'ai réussi à faire ça en dedans de 5 ans, j'ai réussi à tout tourner. Puis, tu sais, j'ai réalisé un miracle.